Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une ouverture de coffret. Et ce sont des coffrets La Voix du Maître. Voilà. Donc, bon, on arrive à en trouver quand même plutôt facilement en magasin. Il y a Jouets Club, les Carrefour, King Jouet, je ne sais pas s'ils les possèdent, Auchan, tout ça. On arrive à s'y procurer assez facilement. Mais. Faites vite parce que je pense que ce sera très vite en rupture de stock parce qu'il y a toujours cette hype, cette folie pour cette série pour trouver ces fameux dracs au feu. Voilà, donc bah, des gens achètent des coffrets par 10, par 20, donc bon, tant mieux pour eux. Moi, je peux me procurer juste un coffret de chaque, ce sera déjà bien. Donc, on va ouvrir les deux coffrets en même temps. Je vais faire ça hors vidéo parce que sinon ça va prendre un petit peu de temps. Donc, voilà, donc je crois qu'il y a 4 boosters par. Paquet, donc Mouflon il y en a 4 et Sorcelance il y en a 4 aussi. Voilà. Bon bah écoutez, on va espérer une bonne pioche. Donc je vais déceler ça et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on a décelé donc les coffrets. Donc on a les boosters du coffret Sorcelance et le Mouflon. Voilà. Je vais vous montrer rapidement donc les petites promos. Bon, des Pokémon, voilà, le Mouflon, c'est toujours le Pokémon basique qu'on retrouve au début de l'aventure. Donc, tu choisis pas forcément ton équipe. Et puis, le sort silence qui est plutôt sympa. Voilà. Donc, ça, c'est des versions petites et des versions jumbo. Et j'ai l'impression que les jumbo sont moins grandes que ce qu'on avait à l'époque. Voilà. Ils ont fait des jumbo un peu plus petites. Bon, de toute façon, ça, je ne garderai pas. Je vendrai ou échangerai sûrement une prochaine brocante que j'exposerai. Voilà. Donc, bah, ce qui nous intéresse, c'est les boosters. Et on espère piocher de belles cartes parce que pour l'instant cette série bah, j'ai juste ouvert mon ETB. J'ai eu de la chance, j'avais eu deux full art, mais bon, on voudrait bien compléter un peu plus. Voilà, je ne demande pas systématique les dracs au feu, mais si je les piochais, je dirais pas non parce que c'est quand même ouais, c'est dur à les choper quoi quand on voit le prix qu'ils coûtent. Allez, on commence avec un Rocabo, Chacripant, Goupilou, Gripatte, Bibichute, une énergie obscure, Arbok, très beau sur Arbok, Kabou, conserve douteuse. En reverse, on a une énergie plante en reverse, très sympa. Plutôt rechercher les reverse énergie. Ok, et d'ailleurs, est-ce qu'on a quelque chose? On a quelque chose, je ne pense pas que ce soit une full art. La 8 sur 73 de type feu. Fenafer Nové. Ok, d'accord. Bon, je ne l'avais pas, donc de toute façon, bah, il me la faut compléter. Par contre, l'état. Ouais, le cadrage n'est pas tip top. Bon, pour une carte comme celle-ci, c'est pas bien grave. Bon, bah écoutez, premier booster, une ultra. Donc, j'ai vu un peu d'ouverture sur YouTube ou sur les groupes Facebook. Bon, les coffrets, ouais, voilà, il y en a, ils vont dire qu'ils ont sorti les dracs au feu dans les tripacks ou dans les coffrets. J'ai vu les tripacks aussi en magasin, mais c'était 20 balles le tripack, la promo était pas ouf. Ça me faisait un peu mal de mettre 60 euros parce que c'est quand même, il y avait 3 tripacks différents. 60 euros pour 3 tripacks différents, je crois que ça faisait quand même un peu cher. Allez, on continue. Ah bah, on a encore le même booster. Rocabo, Chacripant, Goupilou. Bon, après, il n'y a pas énormément de cartes dans la série, il n'y en a que 73. Gripatte, Bibichute, l'énergie métal, Chapeautu, Sepiatros, Spire de la Team Miel, Total Swamp, Uncommon Reverse, et derrière, on aura Ixon de Galar. Bon, on est obligé d'avoir forcément un néographique dans cette série. Ok. Allez, troisième booster. Hop, 3, 4, 1, 2. Allez, décidément, Rocabo, oui. Rocabo, Aspico, Tilton, Coconfort, Pokéball, l'énergie eau, Absol. Oh, magnifique ce Absol. Très belle illustration. Victini, Sonia,
on a un cocon fort en Coin Reverse, et derrière on aura Macogneur Holo, que je ne pense pas avoir, donc c'est cool, ça complète. Allez, dernier booster du coffret sortie lente. Bon, on aura déjà eu une ultra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, donc par contre, là, j'ai mis des petits pets là, je sais pas si vous le voyez. Petit bord blanc. Pas terrible. Hein. Alors, on a Chakripan, Pokéball, Sepiatop, Zigzaton de Galar, Miamiasme, Énergie Combat, Percy, Stade Greenberry, Victini, Charby en Coin Reverse, et non, on finira avec une holo pour ce premier coffret. Donc une V, bon, et 3 holos, voilà. Bon, bah on va dire que c'est le minimum syndical. Je vais la faire nouvelle, bon, je l'avais pas. Allez, on attaque le coffret Moumouflon. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on a la Pokéball, Sepiatop, Zigzaton de Galar, Miamiasme, Total Soin, Énergie Plante, Dardaian, on l'a pas encore vu, peu commune, Arbok, Nabil, Sepiatop en Coin Reverse, et on a un Bagaïd en Holo. Ok. Bon, je m'attarde pas trop aux illustrations parce que Bagaïd, j'ai le souvenir de l'avoir déjà eu. Hop, tac, tac, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, ça serait tellement énorme de piocher un des deux Dracaufeu de la série. Alors, on a Aspico, Coconfort, Carvana, Potion, un Goupix, Énergie Psy, Sonia, Charpedo, Arbok, Lugarok en Rare Reverse, je suppose le Reverse du coup, parce qu'il ne doit pas y avoir de rare dans la série. Et bah voilà, on a encore un Bagaïd. Bon, de toute façon, les holos sortent les mêmes très souvent, quoi. Il n'y a pas 36 holographies non plus dans la série. Hop, bon allez. Perds pas espoir, on espère au moins avoir une ultra dans ce coffret. Alors, on a un Charby, Goupilou, Abo, Carvana, Tilton, Énergie Plante, Charpedo, Peterson, Chapeautu. Ah bah, encore ce Bagaïd, en Rare Reverse, sinon on l'a eu souvent, et Macogneur Holo. Bon, 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 je sens que ce coffret, pas terrible du tout. Ouais, il me reste encore un booster, on peut y croire. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc c'est parti, on a la Pokéball, Machoc, Bibichute, Total Soin, Bagiguane, l'énergie combat, la dame du centre Pokémon, les spires de la team Yel, Victini, Goupilou en Coin Reverse, et la carte, et pas encore Macogneur. Ouais, bon, bah écoutez, pas terrible ces deux coffrets, la pioche est... Bah oui, il n'y aurait pas eu le fin inferno, oui, la pioche aurait été vraiment catastrophique, parce que piocher trois fois Macogneur, deux fois Bagaïd. Ouais, c'est dommage. Bon, bah, on retiendra cette carte pour cette ouverture. Bon, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais enchaîner sur la deuxième ouverture. J'espère avoir plus de chance. Et je vous montre, donc, la prochaine vidéo. Ce seront à nouveau des coffrets La Voix du Maître. Donc, on a Ludester, voilà, et Old Sister, voilà. Et là, il y a 10 boosters, voilà. Donc, prochaine vidéo, donc on s'ouvre ces petits coffrets en espérant avoir plus de chance et pas trop de doubles. Voilà. Allez, hop, je mets ça à côté. Sur ce, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye tout le monde. Salut.